Tu sais qu'elle faut vraiment être dans son personnage. Bienvenue dans mon vlog. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu ma première job. Mon premier emploi, c'était de travailler dans un camp de jour. Un camp de jour où moi-même j'avais été quand j'étais jeune. Et j'ai tellement aimé ça, les camps de jour. Je trouve que c'est un monde merveilleux. L'espèce de challenge d'avoir 12 jeunes à ta charge, puis d'aller repousser leur imaginaire avec des costumes, des jeux, des thématiques. J'ai commencé animateur, je suis devenu aide-animateur, je suis devenu chef d'équipe, je suis devenu coordonnateur à l'animation. Donc, dans un camp de jour, on avait 30 employés. Moi, ma force, c'était les thématiques. Les thématiques, pour moi, c'est la capacité d'intégrer une histoire à des jeux pour y donner un sens. Et ça, c'est drôle que 10 ans plus tard, ben, je me suis un peu donné comme défi de faire ça auprès d'une clientèle plus vieille. On perd des fois cette magie-là d'enfance. Jane, like the other TED speakers on the show today, has wondered how play can make us better at other things in life. These researchers found that you can essentially reduce the level of stress that you have interacting with a stranger to nothing by playing Rock Band for 15 minutes. Mais aujourd'hui est une belle journée parce que je peux pas donner le nom du client, mais on a un gros client corporatif. Ils ont leur summer party. Et on va mettre un peu de magie là-dedans, on va faire de l'animation, on a un concept. Là, je m'en vais au Riverside dans Saint-Henri, qui est un endroit que j'aime beaucoup. Une super belle terrasse. Fait que le concept, cet après-midi, les gens vont arriver, il y a un barbecue. On va avoir environ 250-260 personnes. Il y a 2 ans, on avait construit un jeu de Jenga pour le festival de musique La Grosse Lanterne. Et j'adore les jeux de Jenga, surtout en format géant, parce que c'est du self-entertainment, les gens s'amusent par eux-mêmes. Que ce soit les petits, les grands, un party de bureau, un party de famille, c'est super simple à faire. Vous pouvez faire ça chez vous, c'est tout le temps un hit. Fait qu'on est dans une cour à bois, on prend nos mesures, on s'en va faire ça à Terrebonne. C'est du pain qu'on a pris pour faire le Jenga. Je te laisse une ride avec l'appareil photo. Tu l'arrêtes pas, fait. Roule, puis dis aux gens, c'est comment être avec moi. Attention, tes lunettes, là, tu vas perdre tes lunettes. Là. Ok, let's go, on est pressé. Tu l'arrêtes pas, là. Alex me dit de pas l'arrêter, mais bye bye. Et là, ce qu'on a proposé aux clients, oui, on peut faire des jeux. On a des jeux qui sont self-entertainment, que les gens jouent eux-mêmes. On a aussi des jeux guidés, puis on a une histoire à travers ça. Je vais incarner un directeur de cirque. Vous ne savez pas encore qu'est-ce que je veux faire avec ça, mais ça s'appelle un moraillon. Ça sert à verrouiller des portes ou des coffres. Si on veut que les pignatas brisent, qu'il y ait des bonbons qui tombent, il faut les remplir, ces pignatas-là. Et c'est comment? C'est long. C'est quoi? C'est long. Ça va être long, hein? Allez, Luce! Salut! Ça va? Ça va, toi? Yes! Papa, maman, avec mon bac à HEC Montréal, en administration des affaires, je remplis des piñatas avec des bonbons achetés au Costco. Fait que l'endroit est bien seté, le Riverside c'est tellement de belle place, notre équipe d'animation est là, les invités commencent à arriver. En jouant à des jeux, on va pouvoir gagner des pièces d'or, on va permettre d'acheter des clés pour ouvrir les coffres. C'est moi qui possède ces clés-là. Et là, malheureusement, guys,
c'est un événement privé. Je ne pourrais pas vous montrer le résultat final, les images avec des invités, mais appelez-moi si vous voulez qu'on organise comme ça pour votre entreprise. Let the show begin! Oh mon Dieu! Dans le blague dynamique de Log, la gagnère. Je suis une cliente satisfaite. Log. Vas-y, vas-y. OK, aujourd'hui, j'ai été la cliente de Log et je suis satisfaite. Yeah! Je tiens ton 20$. Moi, je pense pas. Parce qu'en gros, moi, je voulais un meuble ici d'entrée. Fait que je peux peut-être passer une main. Fais pas pour mettre les sous!